Il serait peut-être temps de déclarer l'état d'urgence. Ça va à tous, c'est Galax. Bien aujourd'hui, sur Spider-Man 2 pour la suite de notre aventure. Je suis content de vous retrouver. Et autant dire que nous sommes en guerre. Eh oui, comme dirait l'autre, nous sommes en guerre, nous nous faisons envahir par le symbiote, et là de partout, les gens se transforment. Et donc, on doit vite retrouver Harry, alias Venom, qui est monstrueux. Non mais attendez, vous avez vu ça? Dans l'épisode d'hier, c'était fou, vraiment. Alors d'ailleurs, pour info, je précise, aujourd'hui, il y aura sûrement qu'un seul épisode. Parce que je commence à vous habituer à deux, c'est pas bon. Vraiment, ne prenez pas l'habitude. Parce qu'il ne reste que deux épisodes de cette série pour l'histoire principale. Avant de le perdre. Oui, je me dépêche. Donc, on en profite jusqu'à demain. Et puis après, il y aura un peu de bonus. Évidemment. Avec de la quête secondaire. Aucun signe d'Harry. Alors, il est pas là. Est-ce qu'il faut que je fasse un petit scan? Non. C'est quoi? Bon anniversaire, Emily. On dit que le temps guérit les blessures. C'est un mensonge. Chaque jour passé sans toi est pire que le précédent. Si je perds Harry, je ne sais pas ce que je ferai. Norman est vraiment malheureux. Il faut que je trouve Harry et que je le sauve. Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles d'MJ. Je devrais l'appeler. Juste, enfin, c'est du lourd. Tout le monde en parle en ce moment. Et ça, c'est du travail de rédac chef. Rédac chef. Félicitations. Bon, eh ben, vous allez commencer par m'écrire plein de nouveaux articles pour demain matin. De l'émotion, de la controverse. Surtout, ne changez rien. Je change rien. Au boulot. Allez. MJ. J'ai pas été virée du Bugle. En fait, je crois que j'ai eu une promotion. C'est ce que tu voulais, non? Oui, je croyais, oui. Bah alors c'est... C'est super. Écoute, Y a un problème avec Harry. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, y a quelqu'un à la porte. C'est difficile à expliquer, mais... Promets-moi de pas t'approcher de lui, d'accord? MJ! Qu'est-ce qui se passe? Allez, MJ, décroche! Salut, c'est MJ. Oh non! Vous pouvez me laisser un message. Mais si c'est important, bah... Laissez-moi un texto. J'espère que ça va. Spider-Man, comment vous sentez-vous? Anxieux? Paniqué? Je... parlais des symptômes physiques. Douleur? Fatigue? Ouais. Attendez, les symptômes? J'ai parcouru des années de compte-rendu. Le symbiote canalise une sorte de... conscience collective. Cet esprit de ruche qui me tenait! L'usage de l'imparfait est optimiste. Il est peut-être toujours en vous. Quoi? Pas de quoi paniquer, mais... Vous devriez passer au labo pour faire quelques tests. Je peux pas, Doc! J'ai le plus gros problème! Je dois y aller! Aïe, aïe, aïe. Allez, on va aller sauver MJ. Parce que Harry... Il a bien changé. Avant tout ça, les amis, nous allons d'abord mettre les points de compétence parce que j'en ai 4 tout de même. Alors, où est-ce que je vais les caser? Je vais les caser... Spider volé, ça c'était intéressant, le choc électrique. Ouais, ça fait un moment que je voulais le prendre. Par contre, j'ai une question. Le côté symbiotique, maintenant qu'on a plus la tenue, est-ce que ça va nous servir après dans le jeu? Je suis pas convaincu. Les compétences également de Miles, qu'est-ce qu'on a? Éclair en chaîne, puissance débordante. Ouais. Allez, je prends ça. Ce qui débloque d'ailleurs les prochaines capacités, ok. Frapper les ennemis paralysés par la bioélectricité recharge vos capacités, ça c'est bien. Le bio-siphon, je veux. Qu'est-ce que nous avons de ce côté? Méga décharge bioélectrique, force éblouissante, c'est joli. La méga décharge bioélectrique émet un flash qui aveugle les adversaires humains dans un grand rayon autour de la zone de dégâts. Je prends également. Et ça y est, j'ai déjà plus de points de compétences. Comment ça part vite? Comme mon budget. Alors, dégommeur. Ajoute un tir à votre nombre maximum. Ok. Je vais améliorer ça. Les composants, est-ce qu'on a quelque chose? Eh ben non. Allez. On est pressé, les amis. Tiens bon, MJ. MJ a besoin de nous.
Déjà qu'on n'a pas été cool avec elle quand on avait le costume. Le costume symbiote. MJ! Où est-ce que... Harry? Pete? T'as l'air tendu. Un café? Il faut qu'on parle. J'imagine que tu dois être fatigué de sauver le monde, jour après jour. Mais je peux t'aider. Il faut juste que tu me laisses faire. C'est pas toi. Faux! C'est le vrai moi. J'ai enfin le pouvoir de réaliser notre vision. Et vous? Vous m'abandonnez? Harry, il faut qu'on t'enlève ce truc, d'accord? Arrête de nous appeler. Un truc. Harry, nous ne sommes pas Harry. Ça fait un peu bizarre de l'avoir comme ça. Ça perd en sexy. Scream. Ok. La voiture. Ça reste un symbiote, hein. C'est la faiblesse. Et tu vois, maintenant, avec la compétence, ça fait un... Ça fait de l'électricité en plus, hein. Ok, par contre, elle saute dans tous les sens. Pas cette maison stupide! Pour une fois, tu vas t'effacer! M'effacer? MJ, qu'est-ce que tu veux dire? Reste en dehors de ça! Je prends enfin les commandes! Le féminisme fait des ravages. Je peux pas la blesser! Elle a failli me... MJ, me faire canner! Oh, c'était trop brutal! Allez, parle-moi! Oui, bien joué. Pas très rapide, hein, quand même. Bon, pareil, je suppose que c'est un boss avec... en plusieurs parties. Il y en a tellement dans cette deuxième moitié de jeu. Il y a que ça, des boss. Oh. Ouais, je fasse sonner les voitures un peu plus. Oh non! Je sais que t'es là! Je me suis loupé bêtement là. Toujours de haut! Apparemment, ah oui, mais je vois trois ronds rouges qui veut dire qu'elle sera en trois phases. Regarde!
que tu fais? Tu perds le contrôle! J'ai le contrôle total! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est reparti. Round 2. C'est moi. Elles ne disent pas la vérité. Ouh là là. Ah bah je suis cuit. À chaque fois les combats de boss, je meurs dès le début du round 2. Normalement. Hein. La P2, nouvelle tentative. Elles ne disent pas la vérité. Je les ai entendues aussi. Je sais ce que ça fait. C'est toujours toi le sujet. Tu t'es touché le boulot. Tu ne peux pas payer l'hypothèque. J'ai un boulot. Avec Harry. On se débrouillera. Combien de temps encore? Il n'y a qu'un seul boulot qui t'intéresse. Spider-Man. C'est pas juste. Les gens ont besoin de moi. T'es au courant? Mais que ferait cette fille sans Spider-Man? Regarde ce qu'elle devient avec toi. Je peux encore tout arranger. J'y arrive toujours. Non, on y arrive toujours. Je passe toujours après toi. Je vis dans ton ombre, là où mes rêves se décomposent. C'est ça, la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu fais aide les gens. Bien sûr que t'as un impact. Eh ben, faut s'accrocher, hein. Peut-être plus faire klaxonner les bagnoles. Allez, parle-moi! Tu ne t'arrêteras pas! Voilà, faut être actif, hein. Parce qu'elle fait très très mal. Oh! T'inquiète, t'inquiète, chérie, je paierai l'hypothèque. Et en attendant, calme-toi. Du bruit. Un truc qui fait du bruit. Oui, je sais, les bagnoles. Bagnoles ou moto. Ne laisse pas te contrôler. La ferme. Voiture à gauche, là. Voilà. Déstabilisé. Marche bien. Va pour la P2. Tu te souviens de ton livre? Tu disais vouloir aider les gens. Il y a tout qui ressort. C'est pas vrai. S'il a pu aider une personne, ça valait le coup. Oh la chevelure fixation béton là! Je ne fais que ça, t'aider! Je suis en permanence en train d'interrompre ma vie! Je cherche des réponses, des pistes! Parce que tu as perdu ton job ou que tu te retrouves à sec! J'écris des articles hypocrites pour un homme que je déteste! Pour que tu puisses être heureux! J'avais pas réalisé! MJ, tu peux démissionner! Je trouverais bien une solution. Je peux pas me fier à toi. Pourquoi? Ça fait mal. Règlement de compte. Il n'y a qu'en nous que j'ai confiance. Il y a la vérité qui sort là. Je suis désolé, MJ. J'avais tort. Tu n'as pas à me faire confiance. Mais il faut que toi, me soigne. Tu aies confiance en toi. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. T'as raison, j'ai été égoïste. J'étais tellement pris dans ma vie que je pensais pas à la tienne. Mais maintenant, on va la jouer à la MJ. Je peux t'aider à résister. Il y a un véhicule là-bas. Maintenant. Yes. Vite que je puisse récupérer de la vie. Je sais que tu es là. Tu nous prends toujours de haut. Je pensais là, super. C'est bon, je peux me soigner. Ouh! On a encore une chance. Non! Comment je gâche? Je te laisserai jamais tomber! Allez, on y croit.
On bat avec ses cheveux. Elle me touche une fois, je suis mort. Allez. Oui, super. On n'a pas besoin de toi. La ville a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Arrête de mentir. Vite, j'ai besoin de toi aussi. C'est pas bientôt fini la dispute. Voilà, forcément, on se fait déglinguer direct dès la P3. C'est normal. Putain, mais j'ai l'impression que c'est la P4. Non, mais c'est parce qu'en fait, je recommence 20 fois les. chaque phrase. Oh oui, chérie, j'aime quand tu m'attrapes. Non ! T'es bien plus fort que moi, à tellement d'égards ! À toi toute seule, t'arrives à porter nos deux vies à bout de bras ! Je suis désolé, MJ ! Je t'ai négligé ! Il a disparu. Non, c'est faux. Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin. La maison, mon travail, notre vie commune. Je t'ai promis de m'améliorer, mais j'ai rien fait. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû être plus présent. On est une équipe, toi et moi. Tu devrais pas avoir à sécher la vie pour pouvoir améliorer la mienne. Bien sûr que tes rêves ont la même importance que les miens. Tu me mens. Tu as la même importance. Assez. Allez. Te blesse. Arrête ce bruit. T'en fais pas, chérie, ça va pas durer. Je sais que t'es là. On a assez donné. Ok. On garde une petite distance, hein. Aïe. En même temps, quand faut y aller, faut y aller. Oh. Ça suffit. J'ai toutes mes capacités. Allez, on envoie. Joli. Faut le temps, hein. Nana the scream and shout. Pardon. Est-ce qu'on aura un autre véhicule là éventuellement? Bon, on peut faire sans, hein. Ah, peut-être ici. Ouais. Regardez. Super. Ça me fait une ouverture. Soigne. MJ, reviens. Oh. Oh merde. Du coup, j'ai foiré mon coup. C'est chaud. La vérité.
C'est moi. Je crois. Je crois que c'est moi. Tu es libre. Attends. Pas tout à fait. Alors, Watson, ils viennent se baigner aux pommes? Je crève de faim, moi, et je... Jonah, allez vous faire foutre. Je démissionne. Watson! T'es trop cool. J'ai cru que je t'avais perdu. Je crois que je me suis un peu perdue pendant quelques temps. Je parle pas que du symbiote. Ça fait des mois que j'essaie d'être ce que je ne suis pas. Je suis content de te retrouver. Désolée. T'inquiète, c'était pas toi. Et d'ailleurs, c'était pas moi non plus. Pete, je... Pete, écoute. Il y avait une sorte d'esprit de ruche là-bas. Je t'ai vu, Pete. Et Harry, il cherchait une espèce de... de caillou. Miles est à l'hôtel de ville et... Vas-y. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Ça renforce le couple. J'en ai ma claque. Trouble de la personnalité terminé. Hé, hey, t'as eu mon texto? L'hôtel de ville, ça craint grave. Je me dirige là-bas. Ouais, pardon, ça... ça c'est compliqué. Je te rejoins tout de suite. Tu crois que c'est Harry? Forcément. Je viens de le voir dans le Queens. Il a transformé MJ en une espèce de symbiote. En pire. Quoi? Il va bien. Il s'en est libéré. Plus que moi, heureusement. Connors pense que j'ai porté le costume trop longtemps. Et que j'en ai encore gardé des traces à l'intérieur de moi. Quand t'as dit que ça c'était compliqué, t'exagérais pas. Chaque chose en son temps. À plus, Miles. Ouais, j'entends ça. À toutes. Ça me rappelle. J'ai un coup de fil à passer. Peter? Hé, hey, Madame Morales! Vous êtes bien rentrée? J'étais juste... enfin... je voulais vérifier. Ça va, ça va. Et Peter, il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois, réponds à mes appels. Je vous le promets. Je ferai plus attention. T'as intérêt. Maintenant, va aider mon fils. Nous arrivons bientôt à l'hôtel de ville. Et il y a du symbiote. À mon avis, ça va pas être piqué des verres. Tiens, en parlant des verres. Des petits verres. Harry n'a pas chômé. Ouais. Heureusement, l'équipe de nettoyage est arrivée. Spider nettoyage, c'est maintenant. C'est encore pire que ce que oh là là. La voiture direct. Il est forcément ici. À ton service. Quand le climat dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur. Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On les sortira de là sains et saufs. Ah d'accord, il y a du vert, il y a du jaune. Quoi d'autre? On les verts, c'est les plus petits. On dirait qu'il veut se faire une armée. Sa version à lui, c'est qu'il essaie de guérir le monde. Les bras de la justice. Je sais pas à quoi ça correspond comme trophée, mais enfin. Ah, il y a du violet. Énorme. Alors attends. Est-ce que je peux venir là? Venez par ici, les gars. Ouais, ils suivent. Petit drone. Je reçois des messages sur la vive d'une personne à l'intérieur de l'hôtel de ville. Il essaie d'évacuer par le toit. Il vaut mieux dégager le passage. Il y a une sortie de secours là-haut. On y va. Alors attendez, apparemment il y a une sortie de secours, c'est quoi cette histoire? De quoi tu me parles? Oh non. Une grignotte. Ah oui, parce que là on est un petit peu acculé, pour ne pas dire autre chose. On va essayer de trouver une solution. Ouais. Attendez. C'est quoi cette histoire, les gars?
Faut aller où après? Quoi ce bordel? Double dose de héros, c'est parti. On aime la double dose. Marqué, fallait nettoyer le toit, donc en théorie, bah si, faut tous les tuer. On m'a signalé une fenêtre cassée quelque part dans le bâtiment. Allez, Miles, il faut qu'on se dépêche. Ah, il y a une histoire de fenêtre, attendez. Ouais, non, mais ça arrive tout le temps. Ah, je suis mort. Mais comment on fait? Il y a une histoire de fenêtre. On avait un appel. Ah, si, peut-être qu'il fallait tenir. J'en sais rien. Aïe. Une sorte de fenêtre dans le bâtiment, je ne sais pas quoi. Mais on n'a plus l'objectif, c'est bizarre. Vraiment, on est censé avoir l'info. Et le jeu ne m'aiguille pas, ne me montre pas où se trouve le truc. Habituellement, ça nous est servi sur un plateau. Et là, penses-tu? Sympa toutes ces couleurs en tout cas. J'aime bien. On soigne. Allez. Câble, soulèvement. On m'a signalé une fenêtre cassée quelque part dans le bâtiment. Allez Miles, il faut qu'on se dépêche. Ouais ouais ouais, il y a bien une histoire de fenêtre cassée. Ah mais faut monter encore plus haut, tu peux être sûr. Fenêtre cassée, où ça? Là-haut? Attends, mais on peut scanner peut-être pour avoir l'info. Tu vois une fenêtre cassée, toi? Nettoyer le toit. Bon, en même temps, non, on me dit de nettoyer le toit. Je comprends rien. Attendez, est-ce qu'il faut se défaire ou... Bah si, écoute, on va continuer, hein. C'est pas pour vous presser, mais ça a l'air d'être chaud là-dedans. On est sur le coup! Trop facile! Moi, sur la mission, c'est écrit nettoyer le toit. Bon. Bah écoute, la mission est claire. Ouais, bon, s'il y a des ennemis qui arrivent tout le temps, il y a sûrement une fenêtre. Ouais, c'est bon. On est sortir de là. Eh ben alors, c'est bon. Voilà. Le jeu était pas clair. Oula. Spider-Man! À l'intérieur de lui. Je vois. Je pense que je peux réussir à les retirer. Mais je dois aller à la source. Alors j'y vais avec vous. On fait quoi maintenant, Lee? Trouver Spider-Man. Cette matière noire devrait nous conduire à lui. Et c'est reparti pour une séquence chelou. Le démon. D'accord. J'arrive. Mais au fait, on est où? Nous sommes dans l'esprit de Spider-Man. J'ai vu ce que font ces créatures aux habitants de la ville. Ils entrent dans leur tête, corrompent leurs désirs. Alors, ils vous font de la concurrence? Je sais que tu plaisantes, mais tu ne crois pas ce qu'ils disent. Cette chose, elle crée un pouvoir d'une certaine façon. Et je... Nous sommes les seuls à pouvoir trouver où elle vit. Donc on élimine cette chose à la racine, et Spider-Man est libre? Oui, c'est le plan. Alors d'accord. Ah, la tour Avenger. En fait, c'est la ville de New York, mais ok. Je pensais que c'était carrément un autre lieu, moi. Il a plus d'emprise sur lui que je le pensais. Ok. On affaiblit le symbiote. On reprend le contrôle. Grâce à nos pouvoirs, on sauve Spider-Man. Par où on commence?
On doit trouver la source de sa souffrance. Suis-moi. Je vais te mener à l'endroit le plus sombre. Mais j'ignore ce qu'on y trouvera. Qui l'a arrêté. Je comprends pourquoi Spider-Man a choisi cet endroit. Nous sommes tous ici à cause de lui. En bas, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois. Soulagé de vous voir. Je tâcherai d'être à la hauteur. Hey, il y en a d'autres. Encore. Allez, rien à faire. J'arrive pas à les ralentir. On doit continuer à se battre. Tous ces gens qu'il a arrêtés, ils reviennent sans arrêt. Ça doit être frustrant. L'arrêter des criminels pour les voir s'enfuir et causer du tort à nouveau. Ça fait partie du job. Il le sait bien. Comment ça? Et de croire aux secondes chances. Je me suis fait choper. Cette phase-là qu'on a eue l'autre jour, déjà la première. J'ai pas parlé pendant toute la séquence. Parce que Martin Lee causait tout le temps. Mission négative. Ouais, mais ils sont tellement nombreux là. Oh, mais ça s'arrête jamais. Oh, ça, c'est impressionnant par contre. Hein. Quand tu peux attirer tout le monde là. Ça suffit. J'ai compris. Dehors. C'était vous ça? Non. Le symbiote. Il les a tués. Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non. Mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Tous ces malfrats. Il pensait sincèrement que le costume réglerait tout. Est-ce que c'est... moi ? Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Une dette. Que je devrais rembourser tout le reste de ma vie. Il y a quelque chose droit devant. Tu es proche. La maison de May. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'elle, Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Quand on reste obnubilé par une facette de notre vie, le reste tend à s'effacer totalement. Quelle bonne surprise! Viens me voir. Oh non. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est elle. Elle est morte à cause de vous. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Alors, c'est votre chance de vous rattraper. Je sens quelque chose. À l'étage. Peter ? Vos pouvoirs ont bien le même effet ici. Ouais. J'ai l'impression. Voilà au fist. Dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que j'en vois l'intérieur d'aussi près. Même si je ne le mérite pas. Lee.
Pourquoi vous avez fait ça? Vous vouliez quoi exactement? Me venger. Mes parents sont morts à cause de Norman Osborn. Alors j'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Mais finalement, tu as perdu ton père. Peter a perdu May. Et j'étais trop obstiné pour réaliser que j'étais devenu ce que je méprisais. Je suis désolé, Miles. Là-haut, c'est la source. Si on s'en débarrasse, nous devrions pouvoir le sauver. Un autre moyen. Peut-être que... Il y a bien une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le symbiote, ça pourrait le neutraliser et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous? C'est ce qu'on va découvrir. Bon. Si... c'est ma dernière chance de vous parler, franchement. Je vous pardonnerai pas. J'en suis pas capable. Mais je peux pas continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Et c'est reparti. On va voir s'ils aiment ça. Galvanisation. Oh. Bah, je fais les touches, ça marche pas. Hein. Je vous assure, je fais la touche, ça ne marche pas. Faut maintenir? Bah, écoutez, je fais la touche, hein. C'est bugué? Oh non. Admettons. On va voir s'ils aiment ça. Ah bah c'est bugué. Eh oui. Wouah, ça fait des lags partout. Ça m'aurait aidé. Oh, j'ai eu très peu de bugs, les amis. Vraiment, vous avez pu le voir pendant cette série, mais là... pour la galvanisation, ouais, par contre, faut l'enchaîner. Après, tu vois, ça libère de l'électricité, des éclairs sur les autres. Énorme. Ah, j'avoue, c'est génial, ça. Est-ce que tout va bien? Bien. Vite, repoussez. Non, mais c'est limité. On dirait. Wow. Ah non, c'est pas limité, j'ai rien dit. Mais ça se recharge super vite par contre. Pas mal du tout. Quel pied. Nice. Je vous laisse remercier de m'avoir fait confiance. Ouais, ben... comme vous dites, soyez à la hauteur. Essayez ma méthode, un de ces quatre. Franchement, comme héros, j'aurais pas été très convaincant. Essayez, et vous le saurez. Waouh. Ah oui, c'est vrai que j'ai la surcharge aussi. Oh là là. On a tellement d'attaques maintenant. Le gameplay, c'est vraiment petits oignons, hein. Dinguerie, quoi. Boum. Suivant. Miles, c'est fini. À l'aide, j'arrive. Ah.
C'était de ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé. Pete. On a réussi. Allez, Spider-Man. Miles. Spider-Man. Spider-Man, debout! Quoi? Partez! Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tenue noire et blanc? Lorsque les symbiotes ennemis sont exposés à vos attaques anti-venom, ils sont affectés par l'anti-venom et subissent des dégâts supplémentaires. C'est bien plus qu'une nouvelle tenue! Bon, anti-venom. C'est bon ça? Vache! Ça sort d'où ce truc? Avec lui, on a allé dans ta tête pour supprimer les restes de sa tête. Il a dû se vider de ses pouvoirs pour te sauver. On dirait bien que ça a marché. Attends! Vous avez fait équipe? J'allais quand même pas te laisser mourir. Vache! Force de trop te dire merci! J'ai l'impression que ça a offert de sa valeur. C'est pas grave. Je ne mérite pas ce petit. Et donc c'est ça là, la fourberie, la stratégie, pour que les compétences, on les ait pas mises pour rien du côté symbiote. Eh oui, bien évidemment. Bien joué le jeu, bien joué. Ah, je m'y attendais pas à celle-là, tiens. Oh, c'est très très bien. Et boum. Une nouvelle attaque, et oui, tempête anti-venom. Ah oui, monsieur. Ah oui, oui, oui. Ok, il faut les sortir. Attention, c'est quoi ça? Symbiote colossal. Ah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ils ont mis Fisk en symbiote ou quoi? On dirait. Il est énorme. Ou alors c'est Ronflex. Au choix. D'accord. Attaque dans le vide, il me semble. Oh, tu vas pas m'énerver, toi. On a bien failli te perdre. Je devrais vous remercier. J'ai gaspillé des années de ma vie à courir après la vengeance. Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Arranger les choses. Comme vous. Wow. T'as reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. MJ a peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi. Puisque tu es là. Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que deux Spider-Man ne sont pas de trois. Fichons le camp d'ici.
Quelle mission encore ? Arranger les choses, terminé. 2500 XP. Des nouvelles d'Harry ? Pas encore ! J'ai eu un contretemps. Je crois que Miles m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il restait des traces de symbiote en moi. Ça a commencé à prendre le dessus, mais... Martin Lee m'a donné son pouvoir. Mais c'est... différent. Les voix sont parties, il reste plus que le pouvoir. C'est... incroyable. Et Pete, je voulais juste que tu saches. On a retiré ma signature de l'article. Et... j'ai aussi donné mon préavis. Ça veut dire ? Ça veut dire... que si jamais le monde doit se transformer en cauchemar alien, c'est avec toi et personne d'autre que je veux me retrouver en commun. Ah ! Et bah c'est réciproque ! Continue de chercher, Harry. Je te ferai signe si j'entends quoi que ce soit. Ok. Pendant que je cherche Harry, je devrais regarder qui a besoin de mes speeder services. C'est mignon ! Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est un peu libre voilà, dans l'open world maintenant pour faire quelques petites choses. Et je pense qu'on va pas être si loin que ça de la fin du jeu. Donc vous patienterez jusqu'à demain, ok? Merci à tous, je vous invite les amis à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Franchement c'était encore une fois génial. Je m'attendais pas à voir ce costume. Sincèrement, je suis super content. Et donc maintenant logiquement, on a récupéré bien sûr les compétences Venom. Voilà. Je vérifie quand même, parce que je suis curieux. Compétences ? Compétences ? Ça bug ? Ça bug, c'est pas grave. Les amis, j'ai eu deux bugs aujourd'hui. Je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner bien sûr pour ne pas manquer la suite. Et moi je vous dis à très très vite, à demain. Bah écoutez, je pense pour terminer l'histoire du jeu. Et il nous restera après bien sûr quelques 4 secondaires à faire, quelques petites choses, un peu de bonus. Comptez sur moi. Merci encore à tous et à très 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 vite. Ciao ciao !